Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance. Parlons français, c'est facile. Je suis Raissa Vlad. Avec moi aujourd'hui, il y a de nouveau Julia. Bonjour Julia. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Super. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à nous présenter. Euh, vous allez voir. On va de nouveau euh, essayer à d'épeler euh, notre prénom. Nous allons ajouter un verbe au verbe s'appeler. Il y a aussi le verbe être. Et puis aujourd'hui, nous allons apprendre à dire notre âge. C'est-à-dire, on a besoin pour cela du verbe avoir et des nombres de 0 à 20. Je ne sais pas exactement votre âge. Julia, quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Tu as 12 ans, très bien. Mais pour commencer, il faut se rappeler comment est-ce qu'on fait pour se présenter. Alors, Julia, tu te présentes. Bonjour, je m'appelle Julia. Voilà, salut, salut. je m'appelle Raissa. Tu veux euh, présenter euh, ces personnes, euh, Julia, s'il te plaît. Oui, voici Julie, elle s'appelle Julie. Et voici David, il s'appelle David. Voilà, c'est ce que nous avons fait la dernière fois, c'était pour se rappeler, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle, le verbe s'appeler. Nous avons également fait ce petit dialogue, bonjour, je m'appelle Gilles. Tu t'appelles Gilles, comment ça s'écrit G I L L E S Gilles. Il s'agit là donc d'épeler et la dernière fois nous avons vu l'alphabet. Alors, je reprends en vitesse A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S, T, U, V, W, X, Y, Z. Enfin. Mais la dernière fois, je vous ai montré des mots comme école, élève, éléphant. Des mots qui avaient des lettres que vous connaissez. E, A, U, O. Mais avec des petits symboles. Ça s'appelle des accents en français. Et il y a cinq accent possible, en euh, effet cinq signes graphiques possibles. Nous avons l'accent aigu qui est comme ça et qui peut être vu sur la lettre E. Nous avons l'accent grave qui est comme ça et qui euh, est présent sur trois voyelles E, A, U. Nous avons l'accent Circonflexe, ça ressemble à quelque chose du roumain. C'est, oui, le petit toit. Et ce petit toit, il est présent sur toutes les voyelles A, E, I, O, U. Nous avons ce qu'on appelle un tréma. Deux petits points qui peuvent apparaître sur E, I, U. Et nous avons une petite virgule qui peut être présente sur la consonne c, c'est la cédille. Vous voyez les accents apparaissent normalement sur des voyelles a, e, i, o, u. Il y a un seul signe qui apparaît sur une consonne, c'est la cédille sur le c. Alors, pourquoi euh, sont-ils importants les accents parce qu'il modifie la prononciation de la lettre. Par exemple, école, mère, livre. Trois fois E avec des accents différents et on entend en peu des sons différents. Ensuite, mais, maïs. Le tréma, par exemple, va me forcer à prononcer la voyelle. Et pour la cédille, je vous ai donné l'exemple carte. Ça, vous voyez, un c avec une cédille est prononcé c normalement dans toutes les situations. Euh, C'est facile, mais en même temps, il faut retenir les mots avec leurs accents. Quand vous apprenez dans le dictionnaire des mots nouveaux, il faut retenir quels accents sont présents sur ces mots Bon, c'était juste pour compléter et terminer avec l'alphabet, parce que là, on va se présenter autrement, c'est-à-dire différemment. Alors, Yulia, tu veux commencer Bonjour, je suis Yulia. D'accord. Salut, moi, c'est Raissa. Je m'appelle Yulia. Je suis Julia, c'est la même chose. Je m'appelle Raïssa. Moi, c'est Raïssa, c'est la même chose. Il y a quand même une petite différence. Nous avons utilisé le verbe être. Le verbe être qui va comme ça. Je vais demander à Julia de le lire à haute voix, fort. Vas-y. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes. Vous êtes, ils sont, et elles sont. Très bien. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. J'adore la musique, ça se voit. Alors, euh, vous avez peut-être déjà constaté, en français comme en roumain d'ailleurs, il, elle, est. C'est le même mot. Ils, elles, sont. C'est le même mot. Pour le moment, j'ai tout détaillé pour que ce soit plus évident pour vous. Allez, on va mettre le verbe être à sa place. Julia, tu veux m'aider Pour oui. la première image. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il est. Très bien, il est. Et ensuite Elle est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Oui. Ils sont. Très bien. Et elles sont. Elles sont. Voilà. Et de nouveau, le verbe être avec les pronoms que nous avons vus. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Bien sûr. Le verbe être est utile pour se présenter. Je suis Raïssa, Mais euh, c'est aussi utile pour parler de soi en général. Je suis professeur. Je suis euh, devant vous sur vos écrans. Yulia, elle est à la maison. Voilà, le verbe être a des emplois multiples. Et c'est un verbe très important du français. Je vous invite à le copier dans un cahier, à le regarder et essayer de le mémoriser. C'est comme ça, ça il faut apprendre par cœur. On dit en français, c'est-à-dire mémoriser. Voilà. Si vous avez un peu mémorisé le verbe, peut-être vous allez pouvoir compléter ces phrases par euh, les formes correctes du verbe. Yulia, tu veux m'aider s'il te plaît tu es Daniel. Oui. Vous êtes Paul et Jeanne. Paul et Jeanne, tout à fait. Elle est Sophie. Oui. Je suis Mathilde. Excellent. Nous sommes élèves. Nous sommes élèves, oui. Ils sont amis. Très bien. Il est mon copain. Tout à fait. Elles sont Marie et Julie. Bravo! Bon, on s'est assez présenté. Je m'appelle Raïssa, je suis Raïssa, ça s'écrit R-A-I-S-A. Mais là, je dois voir comment faire pour dire son âge. J'ai repris le dialogue. Alors, euh, bonjour, je suis Gilles. Je t'appelle Gilles. Comment ça s'écrit? G-I-L-L-E-S, Gilles. Moi, je suis Paul. Quel âge as-tu, Gilles Alors, j'ai 12 ans. Et toi J'ai 11 ans. Voilà, tu as 11 ans, moi j'ai 12 ans. Quel âge as-tu C'est la question à retenir. Quel âge as-tu J'ai 12 ans, j'ai 11 ans, j'ai 10 ans, j'ai 5 ans. Mais pour dire son âge, il faut d'abord compter. Et voici les nombres de 0 à 20 en français. Euh... Julia, tu veux les lire, s'il te plaît? Zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf et vingt. Je reprends pour vous à la maison, vous répétez avec moi peut-être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien sûr, on peut compter euh, <laughs> plus en français aussi, mais... On s'arrête à 20. Choisissez la réponse correcte. C'est 12, c'est 20, c'est 13 ou c'est 9 C'est 13. C'est 13. Tout à fait, c'est 13. Ensuite, 2, 17, 11 ou 4 C'est 2. C'est 2. 10, 11, 6 ou 8 C'est 10. C'est 10. Tout à fait. Ensuite, 13. 12, 5, 8. C'est 8. Mm -hmm. C'est 8. Et euh, 17, 16, 19, 8. C'est 16. C'est 16. Très bien. 16. 4, 15, 11 ou 18. C'est 11. C'est 11. OK. Un autre exercice. On va faire comme ça, vous allez voir le numéro, vous réfléchissez et puis Julia nous donne la réponse. Yulia. C'est 3. 3. 13. 13. On laisse un peu de temps. Yulia. 5. 5. 15. 15. Dix-huit. Dix-huit. Sept. Sept. Vingt. Vingt. Douze. Douze, oui. Quatre. Quatre. Dix-neuf. Dix-neuf, oui. Douze. Mmh. Et si vous à la maison et Yulia avec moi, est-ce que on peut est-ce que tu peux compter de 20 à 0 pour nous 20 OK. 19 Très bien. 18 Très bien. 17 super seize oui quinze très bien quatorze oui treize oui douze onze dix très bien neuf oui huit ouais sept 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et c'est parti. Très bien. Alors, euh, deux exemples d'activités à faire à la maison pour réviser les nombres. Essayez de compter de 0 à 20, de 20 à 0, et puis de regarder autour de vous. Et de compter euh, les objets de votre environnement, par exemple, jusqu'à 20 pour bien retenir ces nombres. Mais nous avons fait les nombres de 0 à 20 pour pouvoir dire notre âge. Alors, Yulia, euh, quel âge as-tu? J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. Ah, tu as 12 ans. Elle a 12 ans. Elle doit utiliser le verbe avoir pour pouvoir dire son âge. Ce verbe avoir que vous avez là, euh, Julia, tu veux le lire pour moi, s'il te plaît Oui. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord, et moi je vais répéter pour vous, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez. Ils ont, elles ont. Je vais renoncer au ballet la prochaine fois. Euh, on va vite associer toujours avec Yulia. Yulia, tu m'aides, s'il te plaît? Oui, tu as. Tu as. A. S ou A? -S. Mm. A. S. A. S. Ils ont. Ils ont. Jut. Vous avez. Vous avez. D'accord. J'ai. J'ai. Elle a. Et nous avons. Et nous avons, très bien. Euh, vous avez peut-être remarqué ma question. Tu as, c'est A-S ou A Parce que j'ai A-S et A qui se prononcent de la même manière. J'ai. Tu as, il, elle, a. Donc il faut faire attention. On entend à », mais l'écrit est différent. J'efface tout pour pouvoir continuer. Nous allons compléter de nouveau des phrases par les formes correctes du verbe avoir. Julia, tu es la vedette ici. Vas-y. Tu. Tu as disons. D'accord. Vous avez, vous avez un frère. Très bien. Elle a une trousse rose. Très bien. J'ai 12 ans. Mm -hmm. Nous avons une grande famille. Mm -hmm. Ils ont des amis. Très bien. Il a un copain. Super. Elles ont des croissants. Elles ont des croissants. Voilà. Le verbe avoir, tout comme le verbe être, il est très utile pour dire son âge. J'ai 12 ans. Elle a 12 ans. Tu as 14 ans peut-être. Mais c'est un verbe qui sert à montrer la possession. Vous voyez, vous avez un frère. Elle a une trousse rose. Il a un copain, elles ont des croissants mmh, délicieux. Ça sert à dire ce qu'on possède, la possession. C'est le verbe avoir. Tout comme le verbe être que nous avons vu aujourd'hui même, c'est un verbe très important du français. Je vous recommande de le recopier, de le regarder, de le lire et d'essayer de l'apprendre par cœur, de le mémoriser. C'est très important. Alors, on touche à la fin de cette deuxième séance ou séance numéro 2 et on va essayer de se présenter de manière un peu plus complexe et de répondre à ces questions. Alors, je vais adresser les questions à Yulia pour vous. Comment t'appelles-tu Je m'appelle Julia. Peux-tu épeler ton prénom Oui. I -U. L-I-A. Mm -hmm. Quel âge as-tu, Julia? J'ai 12 ans. D'accord. Est-ce que tu peux me poser les mêmes questions? Oui. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Raïssa. Peux-tu épeler ton nom, prénom? Euh, bien sûr. R-A-I-S-A. Et quel âge as-tu? J'ai 43 ans. Voilà. Euh, Julia, tu as un frère Oui. Il Comment il s'appelle Il s'appelle peux... Vlad. D'accord. Peux-tu épeler son prénom Oui. V-L-A-D. Très bien. D. Et quel âge a-t-il Il a... 14 ans. D'accord. Et tu as aussi une très très bonne amie. Oui. Je veux présenter aussi une fille. Comment elle s'appelle Elle s'appelle Iwana. Et peux-tu épeler son prénom Oui. I-O-A-N-A. I-O-A-N-A. -A. Quel âge elle a ou quel âge a-t-elle elle, elle a 12 ans comme moi. Elle a 12 ans comme toi, d'accord. Et euh, toi, à la maison, j'imagine euh, que tu peux répondre à toutes ces questions. Comment t'appelles-tu Peux-tu épeler ton prénom Quel âge as-tu Pour le moment, nous avons terminé. Je vais me présenter une dernière fois. Je m'appelle je suis Raïssa. je suis contente d'être avec vous avec moi c'est euh, julia elle s'appelle julia vous aussi vous avez appris à vous présenter à dire votre âge pour le moment on se dit au revoir au revoir julia à bientôt et à bientôt à la prochaine